Une autre voix maintenant. Une très belle voix. Elle est dépositaire des chants berbères. Elle est également écrivain. Elle ne sait pas exactement comment elle a fait un jour pour chanter, mais c'est l'amour d'une source ancienne et ce sont des trésors qu'elle a dans la voix. Elle est de plus la sœur d'un grand poète, Jean Amrouche, et cette voix, c'est celle de Taos Amrouche. C'est une méditation et c'est à Capella. Taos Amrouche. Homme, dis-moi d'où vient ta puissance pour que je baise ainsi ta main. Je croyais les hommes égaux, car Dieu seul, à son gré, les élève et dépose. Tourne tes regards vers ces cavaliers. En est-il un parmi eux qui ne descende un jour de sa monture? Ce chant va vous être chanté sur une monodie de la Meule. Il s'agit de la Meule primitive, ronde et vieille comme le monde, et faite de deux disques de grès, scellés à même le sol de terre battue. Et c'est un très beau mouvement rond qui entraîne le bras et qui incline à la méditation la femme au travail. C'est une voix du désert, c'est une incantation, c'est une voix berbère, et maintenant nous allons écouter...